Maman, elle joue parfaitement. Je ne pouvais jamais croire que Anneli est une actrice parfaite. Tu sais que ce n'est pas facile de jouer parfaitement dans cette ville, maman. Nous sommes partis jusque dans sa maison. Nous l'avons trouvée, elle et sa maman, très bien. Maman, si tu étais là, tu allais être fière de ta fille, maman. Bien sûr que je suis contente de toi, ma fille. Hein? J'espère que ça va marcher. Comme ça, le charme de cette fille lâchera mon fils. Hein? Quel est cet homme normal qui laissera tomber une belle et jeune et productive femme, hein? Pour vivre avec un cadavre comme billet, hein? Maman, maman. Tu n'as pas l'idée de ce qu'on peut recevoir de cette fille, maman, hein? Ce n'est que le début, oh. Maman, en effet, Nancy m'a dit ceci. Si Deledji accepte de l'épouser, elle va t'acheter une voiture. Quoi? Une voiture. Une voiture. Maman, une voiture. Pour moi. Femme, assieds-toi. Assieds-toi. Une voiture. Assieds-toi. Pourquoi es-tu excitée à cause de cette illusion qu'on te montre? Il va t'acheter une voiture. Tu es contente et tu danses. Est-ce que tu lui as demandé quel genre de voiture il va t'acheter? Tu ne sais pas si c'est une brouette ou une Land Rover ou un Range Rover. Tu ne sais pas. De deux, tu ne sais pas s'il va juste prendre un chauffeur et une voiture te faire le tour du village. Tu ne sais pas. Et de trois, est-ce que tu es le seul membre de cette famille? Et moi, je n'aurai pas de voiture? Non, dites-moi, je n'aurai pas de voiture. Oncle, ce n'est pas ça le problème. Le problème que nous avons, c'est que Kenneth accepte de l'épouser. Et nous tous, ici, nous aurons de voiture. Jusqu'à ça, ok. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de dire là depuis? Kenneth doit marier Nancy. Oh, voilà. Donc, oui. Ils doivent se marier absolument. Qu'est-ce que vous êtes en train de parler là à propos de Nancy? Mon frère, viens. Je lui ai dit de te laisser tranquille. Laisse-moi te dire, mon frère, elle est trop têtue, cette fille. Elle est en train de négocier pour que Nancy épouse Kevin. Maman, que veut dire tout ceci? Non, attends. Que veut dire tout ceci? Maman, maman, ne viens pas me voir, Legoso. Je ne viens pas. N'envoie même pas ta fille ici. Venir dans ma maison. Quand je voudrais te voir, je te dirai que je veux te voir. Parce que quand je voudrais encore ça, je vais parler. Comment est-ce que tu peux permettre qu'elle vienne m'insulter dans ma maison? Elle sait comment je dépense pour elle. Elle sait comment j'ai dépensé pour elle. Elle vient manquer de respect chez moi. Viens t'asseoir ici là. Viens t'asseoir, pas là. Ah, vraiment. Qui a dit ça? Peux-tu imaginer, hein? Tu sais. Ça, c'est quelle histoire, ça? Il faut un montage comme ça. Je sais que c'est ta femme, hein? Non, c'est ta femme. Elle va épouser personne. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est toi qu'elle doit épouser, même si on me tue. Je ne peux pas accepter une chose pareille se passer. Jamais. On te dit d'envoyer. Je sais, calme-toi, hein? Tu n'es pas à Lagos actuellement. Tu es au village, tu vois. Et maintenant, regarde un peu quelque chose. Regarde-le. Les business ne fonctionnent pas très bien parce que j'ai pas l'argent, tu vois. Si par exemple, elle se marie avec l'autre. Laisse-moi calculer avec tes business. Attends d'abord. Mais quelle histoire ça? N'essaye pas de m'utiliser, tu me prends pour qui là? Maman, moi je t'avertis pour la dernière fois. Ne viens pas me voir. Ne viens pas me rendre visite dans ma maison à Lagos. N'envoie même pas tes enfants ou qui que ce soit. Quand j'aurai envie de te voir, je viendrai te voir. Quand je voudrais te voir, je te dirai que je veux te voir. Avec tout ce que je vous ai déjà entendu parler comme ça là. Que là tu viens. Ça c'est quel genre d'histoire ça? Vous me prenez comme, vous prenez comme la babouche du fou, hein? Le fait que mon fils il ne me comprend pas, hein? Je lui ai dit, tu es un menteur. Si c'est une femme, oublie ce que je lui ai dit là. Je suis son oncle, je réfléchis. Je suis pas le genre de chèvre qui mouche le voisin. Mon neveu c'est mon neveu, ma nièce c'est ma nièce. C'est ce gars ne veut pas épouser Nancy. J'ai dit bien si ce gars ne veut pas épouser Nancy. Nancy va l'épouser. Ça, c'est ce que je dis. Le plus important dans tout ça, c'est qu'ils doivent se marier. Le plus important, c'est que quelqu'un doit épouser quelqu'un. Simple. Si tu étais un enfant, je t'aurais fiacre. Fiacre. Et tu me fais ça. Tu n'es même pas un homme. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas, gars? C'est quoi le problème? Est-ce lui le... Quel est-ce en question? Bien, officier. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Tu sauras lorsqu'on va arriver à la station de police. Je n'ai rien fait du tout. Je n'ai rien fait. J'ai juste perdu mon travail parce que j'avais décidé de te signer ce crédit-là. Mais je te payais quand même des avances. Et puis on a changé. Le nouveau directeur est très méchant. Alors il n'accepte pas cela. Alors il a appelé la police. Effectivement. On n'a pas le temps pour gérer vos sentiments. Allez, arrêtez-le. Allez, avance. Attendez. Avance. Avancez.
ici et partir comme ça. Hadès, si Fokoyo, dans cette ville au bas, je jure, le sang va couler. Écoutez les filles, nous devons absolument réfléchir avant. Quoi? Oui. Qu'as-tu dit? Réfléchir? Écoute. Au cas où tu n'es pas au courant, sache que Nancy est mort. Je vais dire Nancy est fini. Rien ne pourra me prouver le contraire. Nous connaissons nos meurtriers. Et maintenant tu me dis de réfléchir? Écoute-moi, si on gère cette affaire très mal, on va se retrouver toutes dans des problèmes. Oh, s'il te plaît. Il faut absolument qu'on la ferme. Écoute, je t'ai dit de la fermer. Un mot de ta bouche, je vais briser ton cerveau maintenant. Tu sais quoi? Tu ne me surprends pas du tout. Je ne suis pas du tout surprise de ton faux témoignage. Tu te comportes souvent de la même façon, ma chérie. C'est bon. Je ne vais pas te permettre de m'insulter de cette manière-là. Et je ne vais jamais te permettre d'insulter les sisterhoods. Sœurhood? Depuis quand nous sommes les sœurhood? Yes. Allô bébé? Où es-tu? Écoute, je suis très occupée pour l'instant, ok? Apporte ça juste dans cette place. Je t'appellerai quand je serai libre. Ok, ouais. À nous revoir bébé. Écoute. Nancy était une sœur. Oh, Nancy. Nancy était une amie. Oh. Alors on était ensemble, dans des bons temps et dans des mauvais temps et à tout moment. Ce que nous devons, Nancy, c'est de se venger. Qu'elle meure. Que Dieu vous bénisse. Je vais dire, tu ne sais pas à quoi je pense, ma soeur. Mais essaie de me faire confiance. Prends ça ou laisse ça. Mais moi je te promets, Zora va mourir dans 7 jours. 7 jours, promis. Ruth, écoute, es-tu avec nous ou contre nous? Oh Dieu, où est-ce que j'irai prendre 5 millions? Rien qui va me donner 5 millions dans ce Nigeria. Que les tuer. Oh, salut. Mon Dieu, va te punir. Oh, que les tuer. Madame. Hey, docteur. Bon après-midi. Tout va bien. Bon, ma fille va bien, docteur. Est-ce que... Votre fille va bien. Votre fille va bien, asseyez-vous. Merci. Eh bien, à propos, je crois qu'elle a quelque chose de bénéfique en elle. Vous voyez, elle se porte très bien, plus que la majorité de mes patients. J'ai perdu le contact avec lui, c'était avant-hier, quand on m'a passé le téléphone. Et je n'ai pas mentionné le cas de votre fille au téléphone parce qu'il n'aurait certainement pas cru. Miraculeusement, votre fille aura enfin son opération, oui. Docteur, est-ce que je vous ai bien entendu? Est-ce que vous venez de dire que... Est-ce que ça veut dire que ma fille a... J'ai dit ceci, que votre fille a une chance d'avoir son opération parce qu'il y a quelqu'un qui a payé pour vous. Ah, docteur. Docteur, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Docteur. Pour avoir mentionné mon cas et pour le gars qui a accepté de m'aider, oh docteur, ma fille. Je te remercie, que Dieu te bénisse.
Merci. Actuellement, je suis à l'attente de ce jeune homme parce qu'il peut arriver à tout moment. Oui, il ne faut pas qu'il remplisse les formalités. Il n'y a plus de problème. Oui, tout va bien, madame. Ok. Venez. Ça, c'est vraiment un grand miracle. Mon enfant, nous remercions Dieu. Oh oui. Tu sais, je ne pouvais jamais croire que ma soeur s'en sortira. Dieu agit de manière mystérieuse, ma fille. Nos ennemis pensaient que nous allons mourir, mais Dieu nous a élevés. Regarde Kelechi. Il nous a abandonnés lorsque nous avions le plus besoin de lui. Mais maintenant, on sourit, hein? Oh Dieu, merci. Seigneur, je te bénis. Je te servirai. Salut. Oh, docteur. Comment allez-vous? Et comment va ma patiente? Elle va mieux. Elle est juste en train de prendre un petit saut. Ok, c'est bien. Laissez-moi introduire la personne qui vous a aidé. Monsieur Cabane. Monsieur Cabane, wow. La maman de la patiente. Salut, madame. Je ne sais pas quoi dire. Je suis reconnaissante, monsieur. Ravi de vous connaître, madame. Mon Dieu te bénira. Oh, il te bénira. Oh, merci beaucoup. Merci, madame. S'il te plaît, permets-moi de lever ma fille. Non, ça va, ça va. Ça va. Ah, mon bébé. Hein? Trésor. Trésor, réveille-toi. Le docteur est ici avec l'homme qui nous a aidés avec beaucoup de millions pour te sauver. Dis merci. Dis-lui merci. C'est bon. Lève-toi. Andy. Et bien. Vous la connaissez? Eh bien, Andy, je croyais que tu étais mort à ce crash. Non, eh bien, je ne suis pas mort. C'est vrai, j'étais dans ce vol. J'ai fait un escale en Afghanistan et j'ai été arrêté immédiatement. J'ai été fouillé. Ils ont découvert de la drogue sur moi et ils m'ont directement envoyé en prison. On dit la drogue? Il s'est fait déjà un peu tard. On parlera de ça prochainement si tu veux bien. J'ai été envoyé en prison pour quelques mois. J'ai purgé ma peine. Et durant cette période, j'ai tout essayé pour pouvoir te joindre. Mais sans succès. Je ne pouvais même pas avoir accès à mon avocat. J'ai essayé, tu sais. J'ai vraiment essayé. J'ai purgé ma peine. Et je suis revenu au Nigeria et j'ai décidé de rester à Abuja avec mon oncle pour quelques mois. Tu sais, j'ai pas tellement mis long là-bas aussi. Après ça, j'ai décidé de revenir à Lagos et continuer avec ma compagnie. Je devais me relever et avancer. C'est ce que j'ai fait. Et je crois que c'est tout. Voilà ce qui était de l'histoire, mais ce qui est le plus important, c'est toi. Et puis, j'aurais dû me rassurer de ce que tu recommences à marcher. Je ferai tout ce qui est possible de mon côté, afin que je te rétablisse. Ok. Tu sais, j'attendais que tu te portes mieux pour qu'on en parle. Pour qu'on parle de tout ceci. Maman, parler de quoi? L'ange. Ton ange. Cet ange qui t'a été envoyé pour te sauver. L'homme qui a mis le sourire à nos lèvres une fois de plus. Andy. Comment as-tu pu garder tout ceci dans ton cœur?
Maman. Maman, c'est une longue histoire. Une longue histoire que tu as cachée pendant longtemps à ta chère maman. Maman, je vais dire, le cœur de la femme est un océan pour le secret. Bien. Secret ou pas secret, il n'y a pas suffisamment de mots. Il n'y a pas suffisamment de mots pour expliquer ni décrire ce combien je suis reconnaissante à Dieu que finalement que tu es un homme responsable dans ta vie. Et ce qui m'émerveille davantage, c'est qu'il soit riche. C'est ça ce que tu as trouvé à parler. Ça suffit. J'ai dit ça suffit. Je présume que ma présence dans cette maison n'est pas ce que vous espérez. Mais permettez-moi de vous dire que moi, Cindy, connais tous les braqueurs de ce quartier. Tous les hommes avec lesquels vous couchez. Tout ce que vous pouvez faire. Je suis au courant, mes enfants. J'exige que vous m'accordiez un minimum de respect dans cette maison. Je n'ai pas le cœur à tout ça. Qu'est-ce? La ferme. Écoute, un mot encore de ta bouche. Je jure devant Dieu que je vais te traiter comme personne d'autre ne t'a traité avant. Tu devrais imaginer toute chose. Soura, tu as préféré de tuer Nancy. Qu'as-tu fait? Tu aurais fait quoi? Tu aurais fait quoi? Absolument rien. Rien du tout. Maman, écoute. Tout est de la faute de ces prostituées inutiles en qui tu as mis inutilement tes sentiments. Nous ne serons pas à ce niveau. Comment oses-tu insulter la maman, hein? C'est à nous de te brancher dans l'affaire que nous voulions. Alors l'affaire. Et l'affaire. Ça suffit. Ah, qu'est-ce que se passe ici? Ça suffit, les filles. Maman, regarde. Je ne comprends pas la raison de cette réunion. Je ne comprends pas du tout pourquoi tu as convoqué cette réunion. Je sais que toutes les filles que tu vois là ne sont que des ignares. Mais ce que je sais, moi, Bimbo, je peux m'en charger personnellement de ces faux corps, de ma propre façon et de mon propre temps. Que tes pensées ne te trompent pas. Que ton imagination ne te dit pas que tu es capable de me faire quoi que ce soit. Parce que je ne vais pas hésiter à me défendre. Hé! Hey! Ça c'est correct. Une bonne fille. Je suis contente pour ce que tu viens de dire. Ah. Tu as mal agi. Bitch. Tu n'as que très peu de temps. Regarde. Écoute. Rose, je te promets par mon propre sang. Tu m'as compris. Tu m'as saisi. Je comprends que ma présence ici ne vous dit absolument. Merci. Maman, je te respecte. Oh. Tu leur permets de faire des bêtises sous tes yeux. Maman, si ou peintons de la manière dont t'appelles. Personne d'autre, seul moi aux environs. Je répète, personne d'autre, seul Bimbo aux environs. Même pas la femme qui a pu me concevoir. Es-tu en train d'essayer de me désobéir? Ah, comme tu le vois, maman, c'est Bimbo. Les filles sont devenues des femmes. Oui, bébé. Viens, viens. Les temps ont changé. Je vois. Qui parmi vous pense comme elle?
Monsieur, excusez-moi, s'il vous plaît. Je voulais juste savoir si je suis au bon endroit. Je suis à la recherche d'une très belle fille qui s'appelle Eddie. Il n'y a pas de cela longtemps, elle est revenue dans ce secteur. Oh, vous êtes au bon endroit. Si ça ne vous dérange pas, vous êtes son frère ou quelque chose du genre, je sais pas. Regardez, je ne comprends pas. Je ne sais pas où, je ne suis pas sûr si vous voulez voir votre ami ou bien interroger tout le monde que vous allez rencontrer. Je suis désolé. Désolé de vous avoir importuné, ok? Merci okay. Beaucoup. Bye. Salut, mon ange. Comment vas-tu aujourd'hui? Andy, comment as-tu découvert ma maison? Mais alors, ça a été très facile. J'ai vu un jeune homme qui m'a aidé. Mais quoi? N'es-tu pas contente de me voir? Allons, ma chère. Comment vas-tu? Je vais bien. Ah, tu essayes de... Et bien, comme tu peux le remarquer, elle a un invité. Un invité très important. Bébé, j'insiste de parler avec toi en privé. Et il faut que tu saches que lui parler en privé là maintenant est totalement impossible. Maintenant, qui êtes-vous? Je suis l'homme qui a sauvé sa vie. Et vous? L'homme qui a sauvé sa vie. Merci Jésus. Merci. Bébé, dis-lui. Dis-lui qui je suis. Dis-lui. Faudrait pas qu'il imagine. Vas-y. C'est que c'est juste un ami. Oh, comme c'est beau. Il est juste un ami. Mais jeune homme, assieds-toi. Laisse-moi t'offrir quelque chose. Durant cet temps, je vais causer avec ma petite. Mon ami, voudrais-tu enlever tes mains de serre? Enlève tes mains de serre. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire? C'est quoi cette histoire? Bébé, veux-tu me dire ce qui se passe? Quoi? Veux-tu enlever tes mains de serrant maintenant? Oh, écoute-moi, jeune homme. Tu n'auras absolument pas besoin de t'offrir un spectacle là maintenant, ok? Et laisse-moi t'avertir. Ne confonds pas mon civisme à ma sympathie. Fais très attention. Maintenant, toi, imagine si je suis civilisé ou non. Maintenant, réfléchis. Si tu as le courage pour agir. Oh, vraiment? Plus jamais dans ta vie. Ne fais plus ce genre de bêtises. Si tu as des oreilles, ne le fais plus dans ta vie. Victoria, baby, je vais te tuer maintenant. Ah! Démarre, démarre. Pardon. Aidez-moi. Aidez-moi. Venez m'aider. Hey! Aidez-moi. Hey. Oh! Oh! Sincèrement, je n'aime pas la façon dont maman commence à traiter Keji maintenant. Peu importe ce qui s'est passé, nous a quand même aidé les 2 années passées. Natacha, je ne suis pas contre toi du tout. Pourquoi tout le monde les néglige maintenant? Kennedy a brisé mon cœur. Il m'a déçu. Il m'a trompé. Oublie ça! Accorde-lui encore une autre chance pour qu'il me trompe encore. Natacha, non, jamais. Tu vois,
Ce n'est pas raisonnable de vous voir vous deux vous séparer. Natacha, écoute-moi. Voici une leçon que j'ai apprise dans ma vie. Le soleil est sucré. Les filles, vous avez toujours vos fesses sur les chaises. En quoi vraiment ça coûte cher? Écoute bien, Adeswa, je suis sur les nerfs maintenant, alors laisse-moi tranquille, ok? Oh. Ah. Qu'est-ce qui t'anime vraiment? Hein? Qu'est-ce qui t'anime vraiment? Ah. C'est moi qui ai tiré. C'est moi qui ai tué la personne. Alors pourquoi tu te déranges comme ça? Attends, regarde. Je te comprends, ok? Et va t'a quand même bien faire. Juste remonte-toi. Ne te culpabilise pas. Que tout le monde se mette à genoux maintenant. Vite. Mettez-vous à genoux. Comment oses-tu? As-tu compris ce qu'elle a dit? Agenouez-vous. Jésus. Est-ce que des lions peuvent être comparés aux chats? Mais chacun d'entre eux a sa propre part. Les filles, vous et nous savons que vous ne pouvez jamais traverser vos corps. Je vais compter jusqu'à 5 pour que vous mettiez sur vos putains de genoux. Hein? Quoi? 2! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais nous sommes à genoux maintenant. De ta vie, écoute-moi, jamais de ta vie. Parce que si tu te mets à genoux, je jure devant Dieu, je vais me charger de te tuer par mes propres mains. Dans ce cas, tu passes en premier. Tu es sur moi, jeune fille. Pourquoi trembles-tu? Tire! 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 Salut, princesse. Comment vas-tu aujourd'hui? Comme t'es si belle aujourd'hui. Andy, que fais-tu ici? Mais alors, mon cœur, cette question est embarrassante, ne vois-tu pas? Mais je suis désolée, mais je veux que tu comprennes ceci. Écoutez quoi? Que t'es amoureuse d'un salopard qui veut ruiner ta vie? Andy! Mais plutôt, ne comprends-tu pas? Andy, je ne te permets pas de me parler de cette façon. Oh, je vois! Oui, je vois que ton cœur est tendre envers cette personne maintenant. Alors dis-moi, qu'est-ce qui te pousse à agir de la sorte envers moi, Ebi? Je vais te poser une question. Où était ton prince charmant lorsque tu étais couché dans ce lit d'hôpital là-bas, presque morte? Dis quelque chose. Il était où ton prince charmant durant tout ce temps? Je te pose une question. Parle! Où était-il lorsque tu étais dans le coma? Où était-il lorsque tu étais presque parti? Ebi, je passais par là ce jour-là, je t'ai vu. À moitié morte. Veux-tu bien me dire où il était passé durant tout ce temps? Andy, tu appartiens à mon passé. Eh bien, le passé n'est qu'une étape pour mieux bâtir le futur. Andy, tu penses que tu pourras récupérer ma vie juste comme ça? Eh bien, j'étais en prison, je n'ai jamais passé une journée sans penser à toi, mais tu penses que... Bébé, regarde-moi, quoi est-ce que tu penses? Tu penses que j'ai cessé de t'aimer? J'ai apporté ceci pour toi.
Allez, tiens, prends-le. Et s'il te plaît, n'oublie pas le fait que si tu as envie aujourd'hui, c'est grâce à moi. Bonjour, mon madame. Fils, comment vas-tu? Oh, je vais bien, madame. Bien, tu as vieillié? Bien, oui. Actuellement, je sors de la maison. Ok, c'est bien. Mon fils, je ne sais pas, mais la dernière fois que tu étais ici, vous aviez des problèmes et tu es parti sans manger quelque chose. J'espère que tu mangeras aujourd'hui. Oh, je suis désolé, maman. Je dois partir. J'ai quelque chose à faire. Bien. Je vais te permettre de t'échapper aujourd'hui, mais prochainement, tu vas manger par force. Non, pas de problème. Pas de bien. Problème. Ok, prends soin de toi. Madame, s'il vous plaît, si ça ne vous dérange pas, je veux savoir, qu'est-ce que vous faites comme activité? Ah, mon fils, ça c'est un chapitre de ma vie que j'ai toujours essayé d'effacer, car ça n'a pas été facile. C'est une page très douloureuse que j'ai toujours voulu fermer. Mais c'est toujours bien de savoir que quelqu'un s'inquiète, que quelqu'un veuille savoir. Autrefois, j'avais l'une des meilleures boutiques de ce coin. J'avais une boutique de vêtements pour femmes, quoi. Mais tu sais, comment le dire, ce n'était pas qu'un vent, mais la tempête. Bien. Un jour, alors que je m'étais absentée, sans que je me rende compte, un fil de courant a pris feu et a brûlé l'immeuble tout entier avant que je n'arrive tout à pris feu. Oh, je suis désolée, madame, sincèrement. Et j'avais perdu tous mes vêtements. J'ai essayé de récupérer un peu d'argent que les gens me devaient. Mais j'appelais et personne ne décrochait. Je n'ai pas pu récupérer même la moitié de mon argent qui était entre les mains des gens. J'ai contacté certaines banques. Deux d'entre elles ont promis de m'aider. Mais ce n'est pas toujours facile. Tu sais, ce n'est pas toujours facile. Mais je me bats, croyant en Dieu qu'il fera un miracle. Oui, je crois qu'un miracle sera opéré par lui. C'est difficile, mais je crois qu'un miracle sera opéré. Je vous ferai construire une nouvelle boutique. Oui, je vous ferai construire une nouvelle boutique. Une nouvelle boutique, comme je l'ai dit. Je m'assurerai que cela soit bien fait aussi. Et je vais vous donner 1,2 million pour commencer votre boutique aussi. Qu'est-ce que tu as dit que tu vas me trouver une autre boutique? Oui, madame, je vais le faire. Tu vas me donner 1,2 million? Hey, Jéhovah, tu seras élevé. Amen. Tes enfants seront élevés. Merci beaucoup. Mon Dieu va t'élever. Amen. La stagnation ne verra pas ta amen. Vie. Oh, merci, femme. Dieu te bénira. Merci, amen. Ton chemin sera béni. Amen. Hey, Natacha, tu as entendu? Tu as entendu? Ta maman aura une autre boutique. Mon Dieu te bénira. Il va te racheter. Amen, amen, la mère. Amen. Afin que je ne puisse oublier, s'il vous plaît. Puis-je avoir votre compte, votre numéro de compte, afin que je vous fasse un virement pour ce dont j'en. Tu veux que j'apporte? Oui, madame. Ça maintenant. Pour que l'on puisse commencer pour la procédure aussi, aussi tôt possible. Mon Dieu va te bénir. Mon Dieu va te bénir. Amen. Hey, Natacha. J'arrive. Oh, merci beaucoup. Je viens maintenant. D'accord, madame. Attends. Alors, Natacha, comment vas-tu? Comme tu peux le voir, je vais bien. Oh! Apparemment, tu ne m'aimes pas. Même si je commence à te considérer, ça ne change rien. Relax. Natacha, je vais épouser ta soeur très bientôt. Mariage? Je suppose que c'était ta première idée. Après avoir payé ses frais d'hospitalisation, maintenant tu veux l'épouser. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête?
Oh, Natacha. J'aime ta sœur. Ok? Ça ne va pas dans ta tête. Quelqu'un d'autre était venu avant que tu n'arrives. Oh, vraiment? Elle ne t'appartient pas et elle ne sera jamais à toi. Hé, mon fils. Désolé de t'avoir fait attendre. Voici ça okay. ici. Voici le nom de la banque. D'accord, pas de problème. Dieu va te bénir, hein? Bon, merci beaucoup, madame. Dieu va te bénir. Demain matin, tout sera oui, fait, d'accord? Oui, mon fils. Merci beaucoup. Dieu te bénira. Merci beaucoup, madame. Qui vous merci, bénisse aussi, hein? madame. Surtout, calme-toi. Oui, oui, oui. Conduis de d'accord, sinon. Madame, merci beaucoup. N'oublie pas de mettre ta ceinture de d'accord, sécurité. D'accord, pas de problème. Oui, mon fils, ne conduis pas dans la nuit, hein? Vous aurez de mes nouvelles très bientôt. Dieu te bénira. Oh, merci, madame. Aïe. Mon Dieu te bénira. Merci beaucoup. Aïe. Mon Dieu te bénira. Amen. Maman, pourquoi ça prie a rendu beaucoup de temps pour qu'il revienne dans ma vie? Mon enfant, vaut mieux tard que jamais. Maman, je me demande comment je pourrais surmonter cette affaire avec Enid. Oh, mais pourquoi tu continues à mentionner cet abominable nom dans cette maison? Pourquoi? Tu sais bien qu'il nous a abandonnés au moment où nous avions le plus besoin de lui. Serions en train de pleurer maintenant. Maman, je suis confuse. Oh, mon bébé. Écoute, hein? La confusion est le signe qui prouve que tu l'aimes vraiment. Écoute, Andy a prouvé qu'il est l'homme qu'il te faut. Maman, je dois avoir un peu de temps pour réfléchir comment sortir de cette situation. Je ne voudrais pas être confuse à cause de l'amour. Je vais me concentrer pour moi-même. Ça va finir par te passer. Ça va te passer, ok? My baby, you are my life. Life remains complete with you by my side. You are my angel. I am your king. God knows I love you. Bon après-midi, maman. Qui est ta maman? À combien de reprises t'ai-je demandé de ne plus venir chez moi? Combien de fois? Maman, je viens vous expliquer ce qui vous est arrivé. Tu es venu m'expliquer ce qui t'est arrivé. Tu es un fou. Alors, si ma fille mourait, tu serais venu ici me demander pardon. S'il vous plaît, maman, écoutez-moi. C'est tout ce que je vous demande. Ok, tu veux que je t'écoute? Oui. Tu sais qu'en tant qu'une maman, je ne dois pas rester debout. Laisse que j'aille chercher une chaise. Restez comme ça. Tu qu'elle va chercher une chaise. Hé hey! Oh! Ah! Hé hey! Maman! Maman! Pourquoi tous ces bruits-là? Mon enfant, c'est ce chat blanc qui vient tout le temps ici manger mes crevettes à la cuisine. Maman, je crois que j'ai entendu la voix de Kennedy. Mon enfant, tu hallucines déjà? Pardon, va te coucher, tu te reposes. Hello. C'est si merveilleux de savoir que j'ai à nouveau ma boutique. Dieu bénira ce jeune homme. Mm-hmm. Regarde ta maman. J'ai à nouveau quelque chose à faire. Ah, je n'en reviens pas que ce soit moi. Bon après-midi, madame. Ah, Andy.
Bienvenue. Oh, je vais bien, merci madame. Viens t'asseoir. Assieds-toi. Assieds-toi maintenant. Merci beaucoup. Comment vont les affaires? Bien. Je vous apporte quelque chose à boire. Ne bouge pas, j'arrive. J'arrive maintenant. Hein? Mets-toi à l'aise. D'accord, merci madame. Ok. Alors ma chère, comment vas-tu? Comment te sens-tu maintenant? Ça va bien, je me porte bien. Ça c'est bien. Je suis très content de savoir que tu récupères très rapidement. Non, merci beaucoup. Alors mon amour, tu sais que je ferai main et pied pour t'avoir pour moi seul et pillé. J'espère que tu n'as pas oublié nos promesses de mariage. Ça fait plus longtemps, c'est le passé. Écoute-moi. Je veux que tu te souviennes de cela. Nous avons été faits pour être ensemble pour toujours. Ok? Love can make you crazy. Love can make you cry. It can disappoint you. Tu as raison, ma chérie. Salut. En fait, c'est lui qui voulait te voir. Félix, qu'est-ce que cela signifie? Oui. Donc, tu m'as tiré ici dehors juste pour le voir? Calme-toi, s'il te plaît, et écoute-le. Non, il n'y a rien à écouter là-dessus. Je t'ai aimé de tout mon cœur, Kenneth, et tu le sais, mais qu'ai-je bénéficié? Tout ce qu'il fait, c'est juste pour son propre compte. C'est quel genre de méchanceté comme ça? Je veux dire, je peux tout sacrifier pour toi. Que voudrais-tu que je fasse? Kent, tu n'as rien sacrifié. Après avoir couché avec vos filles du village, tu as de l'audacité de venir me demander pardon. Tout ça juste parce que tu veux que je sois couverte de honte. Oh mon Dieu, comment ferais-je pour que on me croie enfin? Dieu sait que je n'ai pas fait ceci par esprit. Non, je ne peux pas faire ça. Merci beaucoup de m'avoir pris pour une dame. Écoute-moi, Kenneth. Notre relation ne peut jamais marcher. Tu ne peux blâmer personne d'autre. Ah. Tu ne faisais que passer tout ton temps à me tromper avec cette fille du village et tu essaies de me faire comprendre. Kenneth, tu n'existes plus pour moi. Juste une petite estimation. Je suis désolé pour tout ceci. Désolé. Tu sais que ça ne peut pas venir de moi. Pour ces paramètres-là, tu sais que je t'aime vraiment. Kennedy, je n'ai rien contre toi. Je sais que tu as tout fait pour prendre soin de moi, mais je suis confuse. Que dois-je faire? Je ne te blâme pas d'aller chercher ailleurs. Oh Dieu, je n'ai jamais souhaité que tout ceci arrive. Je peux tout faire pour résoudre ton problème, pour que tu te sentes enfin bien, si jamais ça se reproduit encore. Tu sais, j'ai perdu mon boulot parce que je voulais que tu te sentes bien. Maintenant, je dois tout perdre. Tu as perdu ton job? Oui. Parce que j'avais organisé une transaction. En bref, ça s'est mal passé. Kennedy. Kenneth. Tu vois, je suis désolée. C'est fini entre nous. Considère comme si je suis morte. Jamais. Jamais. Kenneth, laisse-moi. C'est fini. Jamais. C'est fini entre nous. Laisse-moi. Non, laisse-moi. Tu ne peux pas partir. Non. Mon Dieu. Ah, Kenneth, qu'est-ce qu'elle est? Calme-toi. Je vais lui parler. Calme-toi. Je vais lui parler. Parle-lui. Je vais lui parler. Parle avec. Can make you crazy. Love can make you cry. Oh, it can disappoint you. Oh, love is all that you need to make a difference in your life. Love is all you need. Oh, love is all you need. Sorry.
so sad. Oh, I can't fish in every way. Love is all that you need, just to make a difference in your life. Love is all you need. Kenty, pourquoi tu te comportes comme ça? Je me demande pourquoi ta vie est si cruelle. Pourquoi tu n'as pas ce que tu souhaites avoir? Et pourquoi les beaux moments de nos vies ont été brisés juste comme ça? Kenty, je me demande pourquoi la vie est-elle ainsi? Vicky, je me demande pourquoi quand même la destinée nous préserve toujours de mauvaises choses. Pourquoi c'est si difficile? Je ne pouvais jamais imaginer que les choses se passeront comme ça. Et j'ai complètement lavé mes mains pour finir avec cette méchanceté. Le souhait de mon cœur était que Billet doit vivre ensemble. Petite sœur, tu es jeune pour comprendre ceci. Dieu t'a donné beaucoup de sagesse. J'apprécie cela. Kenny, je crois que ce problème peut prendre fin. Cette guerre pourra prendre fin. Car l'amour gagne la bataille. Je l'ai fait pour l'amour. Kenneth, l'amour peut tout faire. Arrête de pleurer, ok? Kenneth, arrête. Kenneth, arrête. Pourquoi tu te traites comme ça? Arrête de pleurer, Kenneth. Calme-toi, hein? Elle va bientôt sortir. Ok, pas de problème, madame. Mon enfant, tu es la meilleure chose qui nous soit arrivée. Vraiment? Oh, wow. Ça, c'est ma fille. Elle est très belle. Mon premier bébé tout beau. Tu me rappelles, tu sais, les moments de ma jeunesse. À ton âge, j'étais totalement éblouissante. Tout comme toi, ma fille, tu es totalement éblouissante. Maman, tu sais que je n'aime pas la flatterie. Oh, laisse tomber, Billy. Alors, mon amour, il n'y a pas de flatterie dans cela. T'es absolument très, très belle. Oui, c'est vrai. Laisse-nous sourire au pied de ta beauté. En fait, tu es rayonnante de beauté. Et sache qu'une femme doit toujours sourire. Hmm? Regarde, eh bien, je... Je voudrais que tu me montres un beau sourire sur ce beau visage, s'il te plaît, ok? Je ne voudrais pas que tu agisses comme si je te forçais, je sais. Qu'à Dieu ne plaise, qu'à Dieu ne plaise. Je sais que comme toute femme, ma fille tout au fond d'elle, elle jubile de joie. Qu'est-ce que tu dis, maman? Mais, maman, je ne suis pas sûre que c'est comme ça. Mon enfant, fais-moi confiance, tu l'es, tu l'es. Regarde les pieds. S'il y a quelque chose qui te dérange, on peut résoudre cela, tous les deux, tous ensemble. Tu ne vas pas passer le restant de ta vie avec un visage triste, n'est-ce pas? Dans ce cas, je veux le meilleur des sourires sur ton visage. Oui, souris, souris, allons, allez. Vas-y, souris. Souris. Allez. Bien. Alors, un beau sourire sur ton visage. Partez maintenant. Allez, vas-y, partez. Fais-moi plaisir. Partez, la porte est ouverte. Allez, ne revenez pas tôt. D'accord. Ne revenez pas tôt. D'accord, ne vous inquiétez pas, madame. Ne vous inquiétez pas, je vous fais la promesse. Je vous fais la promesse. Allez, allez, va-t'en. Allez. Bye bye bye. Hey. Dieu. Ah, c'est moi-même. C'est moi-même comme ça. You got to understand. Yes, you got to understand. You got to understand this world. You got to understand. Yes, you got to understand. You got to understand this life. Alors,
Est-ce que tu t'es amusé? Bien, je vais bien. Bien, je m'attendais à ce que tu dises oui. Crois-moi, ça me fait du bien de t'avoir à mes côtés encore. C'est senti comme autrefois, tu sais. Alors dis-moi, est-ce que tu m'aimes encore? Oui, bien sûr. Andy, pourquoi tu essaies de dominer sur mes émotions? Et toi, pourquoi retiens-tu les sentiments qui ont été faits pour être? Andy, parce que certaines choses n'ont pas été dites. Eh bien, certains sentiments ne peuvent pas se ressentir en retour. Mon cœur me dit que tu m'aimes toujours, Ebie. C'est vrai? Andy, tu n'es pas très loin de la vérité. Je suis content de t'entendre dire cela. Je dois m'en aller. Prends soin. D'accord, il n'y a pas de problème. Bonne arrivée. Natacha, pourquoi tu as l'air fâchée? Je suis fâchée. Qu'est-ce que c'est? Toi et ta stupide décision. Es-tu hors de sens? C'est fini avec cette histoire des grandes sœurs ici. Je ne comprends pas comment ça peut plaire à maman d'abandonner toutes choses entre tes mains. Tout pour toi. Que veux-tu de plus? La fille? Tu sais, Natacha, tu n'es qu'un enfant. Bien. Dis-moi pourquoi d'autres adultes s'y sont très stupides. Comment as-tu osé, Natacha? Comment as-tu osé? Tu as commis une grosse erreur de toute ta vie. Natacha! Natacha! Jésus. Excusez-moi. Tu m'as tapé. Encore un mot, je vais te taper. Tu as commis une grosse erreur de ta vie. Natacha! Natacha! Excusez-moi. Je crois que nous avons quelques mots à nous dire. Mauvais moment. Comme tu peux voir, je suis en train de partir quelque part. Vous devez m'écouter. C'est très important. Tu sais, tu me surprends. Honnêtement, tu me surprends. Maintenant, écoute, je vais te dire quelque chose. Je détermine ce qui est important. Ou ce qui ne l'est pas. Tu me comprends? Eh bien, je dois me marier avec elle. Je viens encore vous redire, laissez-la tranquille, s'il vous plaît. pardonne-moi mon manque de mémoire, ok? Ok? Mais la dernière chose dont je peux me souvenir, c'est que toi, tu as été chassé hors de cette maison. C'est vrai, il y a eu des éclats de voix. Mais j'avoue. Et cela complique les choses davantage pour moi. Oh, je vois. Donc cela fait de moi ton ennemi, je présume. Non, 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 non. Vous n'êtes pas mon ennemi. Je vous supplie au nom de Dieu. Cette femme est ma vie. Et je ne voudrais jamais la perdre. À cause de vous et personne d'autre. Regarde, mon ami. Tu l'as déjà fait. Tu l'as fait par ta négligence. Dans sa condition, tu l'as abandonné dans cet hôpital. Et dans l'état dans lequel je l'avais vu, c'est à ce moment que tu as raté cette femme. Vous êtes mal placé pour me juger. Oh, je vois. Je ne pourrai jamais la laisser mourir. Vous ne connaissez pas ce que les circonstances ont fait. Vous ne connaissez pas l'histoire. Tu sais, je suis actuellement ravi de ce que toi, tu n'as pas assez d'argent
pour prendre tes responsabilités lorsque tu les as. C'est là que je prends le dessus. Regarde par ici, je te flash. Elle m'appartient maintenant et cela va durer ainsi durant un bon bout, mon ami. Donc, maintenant, tu prends tes pieds et tu sors de chez moi car j'ai du travail à faire. Je peux voir votre arrogance quand vous parlez. Vous ne la méritez pas. Écoutez, elle m'appartient. Et je ne peux pas la perdre. Pour rien au monde. Ni à cause de vous, ni à cause de votre ego, prétendant que vous avez sauvé sa vie. Sortez de chez moi, j'ai du travail à faire. Je suis plus chômeur que vous. Je m'en vais. Je pars de votre maison. Je m'en fous. C'est tout ça que tu as vu là. Je veux vendre tout ce qu'il y a dans mon salon là. Tout ce qu'il y a là-bas. Combien? Bien, si tu apportes même 500 000 naira, comme ça je te laisse ça. 500 000 quoi? 400. 400 000 naira, pourquoi? Pour ces trucs déjà utilisés? Mon ami, ne pense pas que tu n'as besoin urgent d'argent. Écoute, si tu veux acheter, achète. Si tu ne veux pas acheter, oublie ça, je vais vendre ça à quelqu'un d'autre. Man. Tu achètes ou pas? Ok. Je vais te donner 3. Adieu ne plaise. Fin du business. Non, je ne veux plus vendre ça. Je ne suis plus intéressé. Oublie ça. Ok, bien. 350. Je vais te payer 350. Où est l'argent? Ok, j'appelle le gars. Il vient te donner l'argent. Ok, fais vite. J'attends. Je sais. Je sais que je ne suis pas assez riche pour te payer un cœur. Je sais que si j'avais été riche, j'aurais pu sauver ta vie. Je ne voudrais surtout pas que tu me laisses. Reste, Kelechi. Vas-y, prends. Prends ceci, s'il te plaît. Ça, c'est tout ce que j'ai. Comme ça, tu pourras rembourser tout ce qu'il a payé. Alors, je verrai mon bébé rentrer. S'il te plaît, Albéry, ne mets pas d'obstacle devant ma femme. S'il te plaît. Ne fais pas ça. S'il te plaît, ne me blesse pas. Qui n'es-tu mon cœur? N'est pas à mort. Je vais mourir si tu m'abandonnes. Ça sera ma fin. Sais-tu ce qui me dit la solitude? Connais-tu ce qui veut dire le bonheur lorsque tu m'auras rejoint? Alors pourquoi est-ce que tu me fais ça? Connais-tu, je ne peux pas arrêter de te regarder. Je ne peux pas supporter voir tes larmes. Excuse-moi. Oh. Vicky, est-ce que tu as... Non. Oh, qu'ai-je fait de mal? Love can make you crazy. Love can make you so sad. Confession everywhere. Love
S'il te plaît, prends soin d'elle. J'ai prié, j'espérais de vous voir vivre ensemble. Je pense que tu pourras t'en sortir. Je souhaite de tout mon cœur que les choses se passent bien. Kennedy. Excuse. Love can make you crazy. Love can make you cry. Oh, it can disappoint you. Oh, love is all that you need to make every phrase in your life. Natacha, qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi as-tu arrêté de m'aimer, petite sœur? Pourquoi veux-tu briser cet amour que nous avions depuis? Suis-je obligée de te répondre? Oui, tu es obligée. Regarde, tu peux continuer de prétendre. Tu fais semblant de me demander qu'est-ce qui se passe. Mais je ne me laisserai jamais faire sous tes prétendances. Parce que je t'ai frappé l'autre fois. Natacha, tape-moi! Natacha, tape-moi! Aussi longtemps que tu as accepté de vivre avec Andy, l'amour entre nous est fini. Natacha, c'est comme ça que tu te comportes. Je crois que la conversation est finie. Je n'ai pas dit que c'est fini. Natacha, Kenichi est un étranger. C'est quelqu'un du dehors. Pourquoi veux-tu qu'un étranger vienne briser l'amour que nous avions dans cette famille, Natacha? Dis-moi quelque chose, Ebie. Est-ce que tu aimes vraiment Andy? L'aimes-tu? Natacha, je... Natacha, je... Natacha, attends! J'aime Andy. J'aime Andy! Natacha! Natacha, attends! Tu sais, princesse, les choses comme ça arrivent des fois. Des fois, tu sais. Les mauvaises choses arrivent à des gens bien. Mais tu sais, c'est juste que... Andy, qu'est-ce qui se passe? Comment peux-tu être si négligeable? Comment peux-tu être si méchante? Andy, qu'est-ce que c'est? Mets ta main dans ma poche de devant. Andy, pourquoi? Mets ta main dans ma poche de devant et pied. Je voudrais qu'on en finisse avec ceci. À quoi est-ce que ça ressemble? Le contact. Qu'est-ce que tu as dit? Un contact. Ceci est la clé de ta nouvelle voiture garée là dehors. Vas-y. Andy, attends. Andy. Oui, attends. Ta clé. La clé de ta voiture. J'ai la tête d'un blagueur. Merci, Andy. Oh, merci. De rien, de rien. Merci. Et tu sais quoi? Merci. En addition à ceci, merci. Ok? Tu vas te préparer pour partir pour 2 semaines de vacances au Royaume-Uni. Andy. Maman. Alors, Monsieur Joe, quel est ce problème si important et qu'on ne peut pas discuter au bureau? Je ne voulais pas discuter de ça au bureau. J'ai voulu aborder ce sujet dans votre maison. Alors, je considère cela comme un problème. Eh bien, Monsieur Andy, je dois vous prévenir. La façon dont vous dépensez l'argent ces derniers temps-ci a baissé le capital de la compagnie. Les calculs de la compagnie ne sont plus bien faits. Que veux-tu dire par « je gaspille de l'argent » Et qui es-tu pour venir me parler ainsi? Andy, c'est définitivement fait. Mais bon sens, c'est le secrétaire de la compagnie. Cette position Andy lui donne droit de veiller sur les investissements de la compagnie. Veux-tu rester en dehors de cette histoire, Luz, hein? Essayes-tu de couvrir la montagne alors que tu n'es qu'une fourmi?
Andy, je ne peux pas rester en dehors de ça. Au cas où tu aurais oublié, je suis également une actionnaire. Ok, d'accord. Et si on se calme et parlons comme des gens civilisés? C'est mieux comme ça. Assieds-toi. Alors, j'écoute. Tout ce que je me demande, c'est la prudence et la discrétion en ce qui concerne les finances. N'oubliez surtout pas que nous nous battons avec efficacité. Comment on peut renverser la situation du fait que la compagnie chute? Non, ça va, mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est l'insinuation selon laquelle mes dépenses sont en train de ramener ma propre compagnie à un état zéro. Regardez, pourquoi pensez-vous que je vais ouvrir mes yeux et ensuite regarder ma propre compagnie chuter? Mais ça, c'est pas possible. Admets-le, Andy. Tu as perdu le contrôle sur les finances de la compagnie. Andy, tu te rapproches peu à peu à la perte de tout ce que tu as bâti pendant de longues années. L'usage vient par rester là et t'écouter m'insulter. Ok? Maintenant écoute. Toi, tu n'es que ma soeur consanguine. Je ne t'insulte pas, t'es mes frères. Mais je ne peux pas m'asseoir ici et à te regarder dépenser autant d'argent pour cette fille que tu appelles ta petite amie. Que venais-tu de dire là? Et toi, écoute-moi. Ne mêle pas et billets à tout ceci. Et pour votre information, cette causerie vient juste de se terminer. Vous voyez ce que vous disiez? Ça c'est... Je ne comprends toujours pas quelque chose, Ebié. Comprendre quoi? Dis-moi quelque chose. Peux-tu me donner la vraie définition de l'amour? Écoute, Natacha, je ne peux pas te répondre. Tu dois me répondre! Comment peux-tu me dire que tu ne pourras pas répondre à cette question? Pas de problème. Tu as fait quelque chose avec Andy. Tout ça parce qu'il a payé les frais de ton hospitalisation et tu as retrouvé la vie. C'est pour cela que tu vas abandonner Kenneth juste comme ça. Dis-moi, que préfères-tu que je fasse? Que devrais-je faire? Natacha, Andy a sauvé ma fille. Oui, et il t'a acheté une voiture. Et il a donné à maman le fonds de commerce. J'ai pitié de ta vaine pensée. C'est un héros, Natacha. Andy est le premier homme que j'ai aimé. Kenneth m'a montré l'amour. Andy a sauvé ma vie. Natacha, je te demande de regarder bien ton cœur. Quelle personne dois-je aimer? Il n'y a pas de différence et biais. Tu n'es qu'une chèvre. Salut, Madame Sacha. Bon après-midi, Monsieur Andy. J'ai quelque chose pour Ebier. Ça ne te dérangerait pas de me l'appeler? Je ne peux pas aller la chercher, monsieur. Désolé. Ebier n'est pas là. Je pensais vraiment qu'on pouvait être amis, ma chère amie. Mais au cas où tu l'auras oublié, ta famille vit au dépens de moi. Ta maman aujourd'hui peut prendre soin de toi et t'apporter la nourriture grâce à ce bon cœur que j'ai. Et toi? Au cas où tu l'auras oublié, ton éducation dépend également de moi. Alors si j'étais toi, je me plierais. Si j'étais à ta place, je n'allais pas dire ce que tu dis là maintenant. Reste en dehors de la vie des billets. Natacha, tu deviens une épine dans ma chair. Et je n'aime pas ça. Est-ce que tu me comprends? Dis à Ebier que j'étais là. Sors de ce
cette voiture. Sors, sors maintenant de cette voiture. Vas-y, sors, sors d'ici. Sors de là. Que fais-tu là-bas dedans? Que signifie tout ceci? Tu es devenu fou? Oui, je pète les plombs. Tu continueras de voir comment je suis fou si je ne laisse pas ma femme tranquille. Eh bien, retourne dans la voiture, laisse-moi gérer ceci. Hé, eh bien, tu n'as pas de calme tes esprits, tu es malade. Et qu'est-ce que ça signifie quoi? Tu veux tu m'arrêter? Arrête ça. Je m'en fous de tout le monde. Tu m'appartiens. C'est pas parce qu'il t'a sauvé la vie qu'il va venir te prendre entre mes mains. Compris? Rentre dans la voiture. Tu crois que tu es trop près, n'est-ce pas? Mon cher ami, laisse-nous partir de cet endroit avant que quelqu'un ne soit blessé. Tu m'entends? Qui gère ça? Cette fois-ci, je vais en finir avec toi, mon cher ami. Et cette fois, tu vas pourrir en prison. Je ferai ceci encore. Et après quoi? Je te dis. Attends. Hein? Qui est devant moi? Dégage devant moi. Qui est devant mon champ de vision? Est-ce que c'est malade? Attends, mon CV, t'as pas un gueule. C'est quoi ça? C'est qui ça? C'est quoi ça? Arrêtez. Pourquoi tu fais ça? Je ne cesserai jamais. Je vous embarrasserai toujours tant que tu ne seras pas revenu chez moi. Je t'aime. Honnêtement. Et je sais que tu me conseille de partir de cet endroit avant que quelqu'un ne se blesse. Tu me fais ça à cause de cette pourrie voiture. À cause de cette voiture-ci. Putain. Hein? Là, mon cher ami, tu es en train de dépasser les bornes. Et je t'assure que tu vas payer pour cela. Je te dis toujours que tu ne m'appartiens. Écoute-moi. Je te jure que je vais t'envoyer en prison cette fois. Et je te promets que tu vas mourir là-bas. Tu vas pourrir là-bas. Tu t'amuses avec moi. Hein? Regarde-moi cet animal. Calme-toi là-bas, c'est qui ça? Eh bien, bouge d'ici. Fais là-bas. Chica, fais là-bas. Okay. Laisse la fille là, salopard. Fais là-bas, imbécile. Allez, sors. C'est même quel pingouin ça? Fais là-bas. Tu veux quoi? Allez. Merci. Je ne vous laisse même pas partir. Je ne vous laisse plus partir. On va aller ensemble. Tu m'appartiens, tu m'appartiens. T'es la plus belle, tu sais. Ok. Que veux-tu maintenant pour le dîner? Ok. Tu dis? Ice cream. Ok. Je t'aime. Moi aussi je t'aime, mon amour. C'est quoi ça? Roméo et Juliette. Mesdames et messieurs, Roméo et Juliette. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne connaîtras pas la paix tant que ma femme ne sera pas rentrée. Là, je ne peux plus supporter cela. Je vais te traiter maintenant. Kennedy, je t'en prie au nom du Seigneur. Laisse ma fille tranquille. Pourquoi est-ce que tu me demandes l'impossible? Pourquoi? Tu vois, c'est tout ce qu'il sait faire. Il appelle la police. Il ne veut pas admettre ce qui est juste comme un homme. Il veut t'arracher de mes mains. Et maintenant, il appelle la police. Il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Allô? Oui, inspecteur Joy. J'ai un intrus dans ma maison. Ma vie et celle de ma fiancée est en danger. Donc je voudrais que vous veniez et que vous fassiez ce qu'il y a à faire. Kennedy, je t'en prie au nom du Seigneur. Pars avant que la police n'arrive. Très tard. Baby, s'il te plaît, attends, baby. Quelqu'un voudrait me donner à boire? J'ai soif, vous savez. Tu auras toutes les boissons que tu veux en prison. J'en ai bougrement assez de toi, salopard. Tu m'entends? Et cette fois-ci, je vais finir avec toi. Alors tu me fais sortir de chez moi. Mais putain, ce salopard, il essaie de me complifier? Non, je ne pense pas que ce soit possible. Hein? Tu es assis gaillardement, sans stress, chez moi, comme si je t'avais invité. J'ai peur, tu vois pas? Ok, je crois qu'il est déjà là. Oui, inspecteur, vous pouvez entrer. Amène-les-moi. Je pense que j'ai besoin de cela.
Oui, inspecteur, entrez. C'est lui là-bas, assis gaillardement. Cet homme assis là, c'est le troubleur. Salut, officier. C'est encore vous, monsieur Kelechi. C'est encore vous. Vous devenez rapidement l'un de nos cas réguliers. Eh bien, monsieur Kelechi, désolé de vous mettre en état d'arrestation. Et je pourrais vous conseiller de nous suivre calmement, monsieur. Merci, monsieur l'officier. Avancez donc. Avance tout simplement. Oui, il n'y a pas de problème. Je peux t'assurer de tout mon corps que tant que je vivrai, tu n'auras jamais cette paix là. Je reviendrai pour toi. Va-t'en de chez moi. Je reviendrai pour toi. Ça suffit, monsieur. Avançons maintenant. Mettez-le dans l'état d'arrestation. Amenez-le loin de chez moi. Permettez-moi de prendre les clés de ma voiture. Je vous suis tout à l'heure. C'est quelle histoire ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Parandi, retire ta plainte. Ce fou nous a longtemps embarrassés ici. Laisse-le danser sa musique. Maman, je ne sais pas pourquoi tu compliques encore les choses maintenant. Que gagnons-nous d'emprisonner quelqu'un? Qu'est-ce qu'on gagnera? Quand il ira en prison, je serai sûre que ma fille et son mari vivent en paix. Et je dormirai enfin paisiblement. Maman, je sais que Kennedy s'est très mal comporté durant toute cette période. Mais je ne vois pas quelque chose de grave qu'il a fait pour qu'on l'envoie en prison. Regarde, attends un peu une minute, s'il te plaît, et puis ralentis un peu, je ne comprends rien du tout. Est-ce que tu aimes encore ce gars? Bien sûr que oui. Bien sûr que non. Tu l'es? Et pourquoi pas, maman? Peu importe ce qu'Andy a fait, Kennedy a fait plus que lui. Natacha, va, tu l'as fermé? Je ne le fermerai pas, maman. Natacha, j'aime. J'aime. Ce n'est pas parce que je parle comme ça que vous allez dire que mon cœur éprouve les sentiments pour deux personnes. Écoutez bien, la seule personne dont on en a marre ici, là, c'est ce fou. Il est mieux pour lui qu'il aille pourrir là-bas en prison. Il n'ira nulle part. Toi, la femme! Regarde, ce gars-là va pourrir là-bas en prison. Tout simplement parce qu'il a porté atteinte à ma vie privée. Est-ce que tu comprends ce que Andy, je dis? Écoute. Ça ne va pas. Andy, ça suffit. Laissons-le aller faire sa vie en paix. Calme-toi. S'il te plaît. Il doit rester là où les animaux sauvages se trouvent. Vous êtes assez chanceux, mon cher ami. Parce que le jeune homme là-bas, il avait pitié de vous. Maintenant, prenez ceci et signez. Qu'est-ce que c'est? Ceci est l'aide que nous t'apportons. Alors tu vas signer ce papier en t'engageant à ne plus jamais déranger ce couple. Sinon, si tu le refais, tu dois pourrir en prison. Qu'il aille se faire foutre avec son papier. Je m'en fous de ça. Tu joues avec le feu, Kennedy. Tu joues avec le feu. Kennedy, s'il te plaît, signe ces documents et laisse-nous tranquilles. Je ne vais jamais signer ce document. Je préfère aller en prison. Vous voyez? Je suis là vouloir être tendre avec cet animal ici présent. Mais il fait que vous mettre en colère. Vous voyez? Andy, s'il te plaît, cela n'arrivera plus, s'il te plaît. Écoutez, moi je ne vais pas cautionner cette bêtise. Kennedy, s'il te plaît, signe ces documents, signe ça, s'il te plaît. Signe ce papier, non? Faites ce que vous voulez. Que je fasse quoi? Que je fasse ce que je veux? Bien. Je ferai le pire de ce que je vais faire. Et je vais le faire très bien. Et peu importe les conséquences, tu vas le regretter. Et certainement que moi aussi je vais le regretter. Je me rassurerai que tu ne vas plus jamais gêner ce couple. Tu vas voir. Tu vas signer ce papier. Signe-le. Tu vas le signer. Tu vas le signer. Allez, signe-le. Tu vas le signer. Toi aussi, signe, si tu ne veux pas les problèmes. Signe ça, si tu ne veux pas les problèmes. Alors comme ça, tu vas jouer les durs. Tu vas le signer ce document. Tu vas le signer. T'es prêt? T'es prêt à le signer? Je veux savoir si tu es prêt à le signer. Est-ce que tu es prêt? Tu n'es pas encore prêt? Alors dans ce qui va te donner les directs. Signe-le.
imbécile. Tu sais, Natacha, je ne pouvais pas rester là, le regarder dans les yeux. J'ai très mal dans mon cœur. Natacha, je suis très confuse à jamais. Je ne sais quoi dire, Ebie. Ce n'est que toi seule qui dois décider. Natacha, décider. Le fait qu'il a refusé totalement de signer ce document prouve qu'il t'aime beaucoup. Quel est cet amour qui pourrait être grand que ça, Ebie? Il est décidé et prêt pour mourir pour toi. Peux-tu le comprendre? Quand je pense à ce son, je sens comme si je dois retourner, Natacha. Je ne sais pas quoi faire là maintenant. Quoi faire? Pourquoi n'est-il pas en cellule? Je l'ai mis dehors il y a seulement quelques minutes. Je vois. A-t-il finalement mangé quelque chose? Non. Ah, Kelechi. Kelechi, tu vas te tuer ici, oh. Ça fait presque 3 jours maintenant que tu refuses de manger. Eh bien, ça ne me meurt pas même un peu. Je veux dire, s'il veut jeûner pendant 40 jours, ça c'est son problème. Moi, je veux un résultat. Tu es un gros fou, Kennedy. Je veux dire, quel est ce foutu amour que tu veux manifester à une fille qui t'a dit qu'elle ne t'aime même pas, même un tout petit peu? Tu vas mourir ici. Et pour rien. Fou. Mourir? Inspecteur John, regarde, écoute, moi, je ne veux pas de problème. Si ce pauvre idiot meurt ici, est-ce que tu sais qu'on aura beaucoup de problèmes? Surtout que le plaignant a retiré sa plainte. Il est impossible qu'il continue à être détenu ici. Je crois que tu as raison. Ah! Je veux dire, je sais pas pourquoi est-ce que les gens vont nous embrouiller pour un bête cas comme celui-ci et qu'ils refusent en plus catégoriquement de signer. Tu sais quoi? Quoi? Trouvons un moyen afin d'en finir avec cette histoire. Sois sûr, c'est déjà fait. Hey, ma puce, tu perds déjà un peu trop de temps, hein? Ok. Ah, chérie, je suis désolée, vraiment désolée. Non, c'est pas grave, mon amour. Donc, ça va, ça va. Natacha, oui, maman, elle est allée au marché, elle a dit, elle va vous rencontrer à l'aéroport. Alors, ne viens-tu pas avec nous à l'aéroport? Non, je vais rester à la maison. D'accord. Bien sûr. Oui, à la maison. Alors, bébé. Très bien. Que personne ne bouge. Kelechi, non. Si quelqu'un bouge là maintenant, tu vas payer les conséquences. Kelechi, que signifie tout ceci? Veux-tu baisser cette arme avant qu'un accident n'arrive? Tout de même,
voici ce qui se passe. Vous avez le choix. Vous allez rester là, me regarder mourir. Je vais me péter la gueule juste devant vous. Kéré, s'il te plaît, Kéré. Papa, pourquoi si tu le supplies? Regarde, si tu veux partir avec la revoir, venu. Tu m'entends? Toi, maintenant, écoute. Tu partiras le premier, si je dois mourir. Maintenant, agenouille-toi. À terre. J'espère que tu sais ce que tu fais. Agenouille-toi. Oh. Maintenant, dis-moi, comment est-ce que tu te sens quand tu vois la mort arriver? Comme tu as beaucoup d'argent, tu peux acheter l'amour. Tu l'as fait avec mon amour. T'es en train de couper. Maintenant, j'ai un statut plus lourd que le tien. Ferme ta putain de bouche. Les mains en l'air. Vas-y, mets les mains en l'air. Allez. Je reviendrai chez toi. Veux-tu venir ici? Veux-tu venir ici, là? Je t'appelle, tu ne peux pas venir. Place-toi ici. Tu m'appartiens. Et c'est comme ça que l'histoire finit. Tu as vu comment tu m'as rendu? Je suis un criminel. Voudras-tu me sauver? Je voudrais juste savoir. Est-ce que tu m'appartiens? Tu es mienne. Et personne ne peut t'arracher entre mes mains. Je ferai tout ce qui est à mon possible juste pour t'avoir. Je te porte dans mon cœur. Tu m'appartiens. Maintenant, tu vois ma démence. Ok? Tu m'appartiens à jamais. Je reviens. Avance là-bas. Vas-y, marche. Sors là-bas. Sors. Reste là-bas, Vicky. Je suis désolé. Eh bien! Ah! Allô? Bon après-midi, monsieur l'officier, c'est monsieur Andy. Oui, monsieur. Oui, monsieur, j'ai un cas de kidnapping actuellement. Ma fiancée a été kidnappée par... Oui, monsieur, j'ai une identification complète de la personne qui a fait cela. Son nom, c'est Kennedy Amati. Envoyez vos hommes, merci encore. Oui, j'attendrai. Tu as parlé de kidnap. Pour ton information, monsieur Andy, j'ai informé à Kennedy que toi et Ebina voyagez aujourd'hui. Il a fait quoi? Natacha, fais très attention. Toi, je vais venir avec toi. Tu ne vas pas gagner cette bataille. Qu'est-ce que tu en sais? Kennedy, pourquoi tu m'as fait tout ceci? Dois-je te rappeler quelque chose? Dois-je te rappeler que tu es mienne? Kennedy, tu penses que tu mourras en posant l'arme sur ma tête? Eh bien, si le fait que je te dise que je t'aime ne t'amène pas de mon côté, alors je procéderai d'une autre manière pour t'avoir. Kennedy, écoute. Je sais que tu m'as donné quelque chose, mais Auntie m'a donné plus. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Dis-moi. L'argent. Voiture. Maison. Kennedy, écoute. Il m'a donné la raison de vivre. Oh. Alors tout ce que je n'ai pas pu. Je ne t'ai jamais donné raison de m'aimer. Tout ce que je n'avais pas, c'est ça que j'ai vendu. J'ai tout vendu juste pour t'aider. Dieu, je préfère oublier tout ça.
C'est mieux que j'oublie tout ça. Oui, c'est ça. Natacha, vas-tu descendre avec mon sac à main? Il te faut exactement combien de temps pour t'échanger? Hein? Esprit de feu de Dieu, calcine-le. Hein? Carbonise-le. Ça, c'est quelle bêtise, ça. L'esprit de feu de Dieu va te rôtir. Tu ne vas pas exaucer cette prière. Sabitou, quelle prière? Exauce-t-il? Celle qui fait les cœurs purs et sincères. Si tu es sincère avec toi-même, maman, tu sauras que Kenneth n'est pas à blâmer. Tout de même, si quelqu'un perd une chose qui est chère, il va toujours se battre pour récupérer ça. Tu sais, tu es une folle. Tu es une folle. Un fou a kidnappé ta sœur aimée. Et la seule chose que tu sais faire, c'est de justifier son acte criminel. Maman, Kennedy ne peut jamais faire de mal à Ebie. Prions. Toi, prie également. Pour que rien n'arrive à mon premier enfant. Que rien n'arrive à mon premier enfant. Parce que quiconque et toute personne qui oserait poser sa main sur ma fille me trouvera. Tu as compris? Allons-y. S'il vous plaît, inspecteur, je voudrais que vous les retrouviez. Je voudrais que vous retrouviez ma femme en vie, s'il vous plaît. Vous me comprenez, pas vrai? Je veux que vous retrouviez ce bâtard. Eh bien, monsieur Andy, nous faisons de notre mieux. Je dois vous dire que c'est pas quelque chose de facile. Aussi, nous aurons besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir les fouiller d'un coin à l'autre dans le pays. Ce que nous ne savons pas, c'est s'il est déjà parti avec la fille dans un quelconque village. Il a même peut-être quitté le pays. Oui. C'est quoi votre prix? Hein? Je dis, donnez-moi votre prix. Hein? Combien allez-vous prendre? Écoutez les gars, je voudrais que vous commenciez à travailler. Parle bien. Oui. Ah, parle. Disons, 2 millions. Oui, 2 millions. 2 millions seront certainement nécessaires pour pouvoir faire tout ce dont on a besoin. 2 millions, vous dites? Oui. 2 millions de... Quel compte cet argent sortira? Veux-tu rester en dehors de ceci, Louisa? Que fais-tu ici? Andy, comme tu le sais, tu n'es plus à la direction. Oh! Je ne suis plus le responsable. Alors, vas-tu me dire qui il est? Je suis. Je vois. Regarde, je suis trop occupé. Je ne vais pas rester là écouter tes palifères. Tu m'entends? Regarde, officier, ça c'est 500 000 dollars. Je voudrais que vous utilisiez. Utilisez d'abord cela pour un début, d'accord? Vous aurez de mes nouvelles très vite. Merci, oh, monsieur Andy. Andy. Alors. Phil, je n'ai pas suivi le bruit de ta voiture. Tu vois pourquoi je n'aime pas t'aider? Tu laisses toujours tout entre mes mains. Tu vocifères des trucs. Tu n'as pas d'argent. Regarde, tu compliques la situation. C'est toi qui compliques cette situation. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de sécurité, pas du tout. Regarde, je ne sais plus quoi faire. Après, prends ta nourriture. Je ne suis pas en sécurité. Je suis en danger. Prends, tu me mets tout dans la situation. Merci, Phil. Merci beaucoup. Eh bien, je ne saurais jamais comment te payer pour tous ces inconvénients. Eh bien, gars, quand nous partirons d'ici, je te donnerai beaucoup d'argent. Je dis bien beaucoup d'argent. Qui parle par rapport à l'argent? Qui parle par rapport à l'argent ici? Qui parle par rapport à l'argent? Laisse-moi te dire quelque chose, Kenichi.
tu dois être un superman pour sortir d'ici là, pour avoir la paix, je t'ai dit. Tu sais quoi? Je vais juste aller dehors, proclamer mon innocence. Je vais faire ça. Tu sais quoi, Kelly? On ne s'est jamais rencontrés. Donc, c'est ce que tu dis? Merci de m'envoyer ça au visage. Kennedy, pourquoi tu m'aimes beaucoup? Je ne sais pas moi-même. Tu vois, ça c'est une question que je me pose tout le temps moi-même. Ou bien, je comprendrai cela autant. Peut-être je suis destiné à t'aimer. Voilà la nourriture. Vas-y, mange. Vas-y. Ça, c'est pas possible, ce sont des histoires que tu me racontes. Ça ne peut pas arriver. Ce que tu me racontes là, c'est pas possible. Écoutez, monsieur Andy, je vais aller droit au but. Votre demi-sœur a décidé de vendre 25% des actions de la société à votre... Elle a fait quoi? C'est elle qui avait le contrôle de la vente. Et en plus, chef Alex a pris 15% dans cela. Vous savez que c'est eux qui contrôlent ce secteur. Non, cela n'est pas possible, tu m'entends? Je ne vais pas la laisser diriger la compagnie de mon père alors que je suis encore en vie. Mais il a déjà fait ça. Peu de temps, vous ne serez plus à la tête de la société. Ils ont décidé de vous renvoyer. Écoutez, ils ont décidé de geler tous vos comptes. Et sachez que ça fait déjà 2 ans qu'il y a des grandes enquêtes sur vos ressources financières. Ça, c'est une sale blague. Écoute, je m'en vais appeler l'avocat de la compagnie aussitôt que possible. Ceci ne peut pas arriver. Écoute, rassure-toi déjà sur ce point. Tout suppose ce que le chef Alex fait. Putain. Pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Pourquoi, oh Dieu? Monsieur Andy, vous avez perdu le contrôle de la compagnie. Ceci ne peut pas arriver maintenant. C'est impossible. Cette fille. Pourquoi est-ce que tu demandes ça? Écoute mon pote, la police te cherche partout. Ils peuvent t'attraper à tout moment. Eh bien, je crois que j'ai un plan. Quel plan? Tu pètes les plombs. C'est trop bête. Quel plan tu as? Honnêtement, je ne sais plus. Je vais sortir avec elle. Honnêtement, je sais pas. Mais je dois sortir avec elle. Ok. Regarde, Kelly.
jusqu'à ce point. J'ai fait de mon mieux. Maintenant, je laisse. Tu es dans ton jeu maintenant. J'ai tout fait. Est-ce que c'est comme ça que tu dois me déposer? Tu as fait ta main, lui. Je ne peux pas t'avoir. C'est le contraire maintenant. Tu seras toujours mien. C'est quoi ça? Ils peuvent partir n'importe où. On ne pourrait jamais les revoir. Bon, vous l'avez arrêté. Hein? Arrêtez. Sortez de la voiture. Sortez de la voiture. Je suis avec. C'est ma petite amie. Et on se baladait juste là. La voici. C'est ma petite amie. Nous sommes ensemble. Ne l'arrêtez pas. Mais de quoi est-ce que tu parles? N'importe quoi, ce sont des bêtises. Officier, vous devez de l'arrêter. C'est cette fille, C'est fini pour toi, mon ami. Tu n'as d'option que de te rendre. Fini pour toi. Allez, soulève-moi ces mains. C'est qui ça? C'est quoi ici? Oh mon Dieu, un fusil. Il a un fusil. Vous voyez, il a un fusil. Allez, soulève-moi ces mains là. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Amenez-la à l'hôpital. Allons-y. Portez-la. Allons-y. Doucement. Allez-y, avancez. Allez. Vite. Doucement. Ouvrez la portière. Vite. Allez. Faites l'entrée. Passez-la. Ok. Doucement. Allez, rapidement, vous l'attrapez. Arrêtez-le. Oui. Allez, toi, bougez. Je suis avec vous. Allez, bougez. Ah. Monsieur Andy? Oui. Je suis l'officier Paul. Je suis ici avec mon collègue, officier Chisiadi. Que puis-je faire pour vous? Vous êtes en état d'arrestation. En état d'arrestation pourquoi? Pour avoir commis un crime, celui de votre demi-sœur. Je suppose que c'est une autre de vos sales blagues, n'est-ce pas? Eh bien, monsieur Andy, je serai intéressé de voir votre visage lorsque vous saurez que le gars que vous avez payé pour ça a déjà tout confessé. Je vous conseille de garder le silence parce que tout ce que vous direz ici sera retenu contre vous devant le procureur. Écoutez, officier, ces allégations ne sont point fondées. Eh bien, vous devez porter ceci. Pourquoi? Meurtre? Andy. Allons? Mon enfant, comment vas-tu? Comment va-t-elle? Vous pouvez la ramener maintenant, c'était juste une petite fatigue. Bien, ma chérie, merci beaucoup. De rien, madame. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que c'est? Parle-moi. Maman, Andy a été arrêtée. Pourquoi? Maman, je ne sais pas. Pourquoi? Qu'a-t-il fait? Maman, il a commis le meurtre.
Aïe. Mon Dieu. Ça veut dire qu'il ira en prison. Hey. Ça veut dire qu'il y passera beaucoup d'années. Dans ce cas, nous devons réfléchir pendant qu'il fait encore soleil. Tu m'as entendu? Ça veut dire que nous devons rentrer vers Kenichi. Maman! Ferme-la! Ferme-la! Maman, retournez chez Kenichi. Oui, non? Après tout ce qui s'est passé. Ah. Allez! Oh, maman, non, non! Tu ne comprends pas, mon enfant. Il va t'accepter. Mon enfant, il va te reprendre. Quand tu vas te déployer à le séduire, surtout à le rendre fou de toi, il n'aura pas d'autre choix que de t'accepter à nouveau. Ah, bien voilà. Si tu ne peux pas, je vais t'enseigner, ma fille. Nous ne pouvons pas le perdre. Nous ne pouvons pas. Non. Kelechi doit t'accepter. Le kidnapping est un sérieux crime contre l'État. Je me sens dans l'obligation de procéder à cette conclusion logique. Officier, on ne m'a pas kidnappé. J'étais allée avec lui par ma propre volonté. Hey, dans ce cas, nous allons te traiter comme son complice. Sache que M. Andy ne va plus tomber sur ton charme et retirer sa plainte. Écoutez, mon officier, Andy est très préoccupé, il ne peut pas venir pour ce genre de cas. Franca. Oui, inspecteur. J'espère que tu as toujours l'arme bien gardée dans un secteur, n'est-ce pas? L'arme? Mais l'arme, bien sûr. Mais je pensais que tu l'avais. Franca, je vous ai donné l'arme. Aïe! Officier! C'est vous qui l'avez. Que voulez-vous dire par ces mots que je vous ai donné l'arme? Non. Ah. Regarde, cherche cette arme partout, cherche-la partout. Regardez-moi cette fille négligente et idiote. Officier, j'ai appris une leçon dans ma vie sur l'amour. Quand un homme a 10 millions de naira et il a sacrifié 1 million de naira, il n'a rien fait du tout. Tandis que celui qui a 500 000 naira et qu'il sacrifie 1 million de naira, il a sacrifié toute chose. L'amour ne peut pas être basé sur les biens matériels. Va enseigner ça à ta fille. Est-ce que tu as su que le fusil avait disparu? Peux-tu imaginer ça? Au moment où j'ai perdu connaissance, c'est à ce moment. Love can make you crazy. Love can make you cry. Vraiment, merci. Ça s'est passé si vite. Kennedy, tu m'as dit que quand on aime, on est obligé de risquer sa vie. Je crois maintenant que t'aimer comme je t'ai aimé, c'était une erreur. Kennedy, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai oublié depuis très longtemps. Kennedy, s'il te plaît, Kennedy, pardonne-moi. S'il te plaît, Kennedy, s'il te plaît. Kelechi, on a pris trop longtemps. Kelechi, s'il te plaît.